Bonjour, c'est Charlotte. Aujourd'hui, je suis avec Laura et je vais vous apprendre à réaliser une couronne de tresses. Je vais commencer par démêler les cheveux. Je commence des pointes et je remonte vers la racine. Pour démêler les cheveux, j'utilise une brosse à poils de sanglier. Je vais crêper le dessus de tête. Je fais une séparation du sommet de la tête. Cette séparation, je vais ensuite la diviser en trois parties que je vais crêper. Elle fait environ 1 cm, 1,5 cm d'épaisseur. Je démêle bien la mèche. Donc je crée une tension quand même, tout en laissant un petit peu de mou pour que les cheveux retombent. Je mets ma brosse à 5 cm de la tête et je descends vers le bas. Une première fois, une deuxième fois et une troisième fois. Ensuite, je viens placer mes cheveux, donc on voit le volume. Deuxième séparation, je démêle ma mèche, je la monte bien vers le haut, je place ma brosse, je descends une première fois et une deuxième fois. Et pour la dernière mèche, je vais crêper qu'une fois. Vous ne pourrez pas réaliser cette coiffure si votre enfant a les cheveux au-dessus des épaules. Pour commencer la couronne de tresses, on vient placer les cheveux devant. On fait notre séparation derrière l'oreille. On divise cette séparation en trois brins et je vais les passer par en dessous pour que notre natte soit en relief. Je fais un premier passage sans rajouter de cheveux et ensuite je viens rajouter une mèche sur le dessus. Donc je ne prends pas en dessous. C'est-à-dire que là, j'imagine que je divise mes cheveux en deux, les mèches du dessus, les mèches du dessous. Donc une fois que j'ai pris ma mèche, je la passe en dessous et au milieu. Je fais la même chose pour ma main droite. Je prends des cheveux, je les passe en dessous et au milieu. Là, je rajoute également une mèche de cheveux en dessous et au milieu. Et on va faire ça tout autour de la tête, tout en tournant. Donc là, je commence à tourner. Je rajoute des mèches sur le dessus et en dessous. On n'hésite pas à bien tourner tout autour de la tête, tout en gardant les mains bien collées. On continue à natter. Je reprends une mèche d'en dessous, je la passe au milieu. Alors n'hésitez pas à bien descendre pour vraiment faire tout le tour de la tête. Donc là, j'ai fini le tour de ma natte. Je viens mettre ma dernière mèche. Donc mes doigts sont bien collés à la tête pour pas qu'on ait trop de mèches qui retombent. Je termine ma natte normalement, mais en passant toujours mes brins par le dessous. Je viens fixer ma natte avec un élastique transparent, puisque Laura a les cheveux blonds. Si votre enfant a les cheveux bruns, n'hésitez pas à utiliser un élastique noir. Donc là, je viens desserrer ma natte. Donc on fait toujours attention avec les mèches de bordure, parce qu'elles sont plus fines et plus courtes. Donc là, vous pouvez vous amuser à l'élargir comme vous voulez. Si votre enfant a les cheveux dégradés, faites attention quand vous dessirez pour ne pas avoir plein de petites mèches qui ressortent. On vient fixer notre tresse avec une pince plate. Donc je prends des cheveux de la tresse et aussi les cheveux du dessus. Ensuite, je vais venir mettre des épingles neige en prenant une partie de la natte pour venir cacher notre élastique. Donc je viens mettre des épingles neige tout autour de la tresse en soutien. Donc on les met toujours au milieu de deux brins. Donc n'hésitez pas à l'enfoncer dans la natte pour éviter que les pics ressortent. On n'oublie pas de fixer les petites mèches qui sont dans le cou. Je prends la mèche, mon épingle neige et je viens la remonter vers le haut. Je glisse toutes les petites mèches rebelles en dessous la tresse. Je vais venir redonner un peu plus de volume à notre dessus de tête. Je mets mon épingle neige, hop, et je relève légèrement pour avoir un joli bombé. Je viens ensuite peigner délicatement avec mon épingle. Est-ce qu'elle t'a plu ta coiffure, Laura? Oui.
Si vous aussi vous avez aimé cette coiffure, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Doctissimo Maman. Bye bye !